à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 2 mai 2022, direction l'hippodrome de Vichy, dans le prix de la chaise Dieu, 4e course de la première réunion, où 14 trotteurs âgés de 7 à 10 ans seront en lice dans une course prévue vers 13h50. Sur le parcours de 2950 mètres, il y aura un recul de 25 mètres à partir du cheval portant le numéro 9. Les concurrents âgés de 7 ans semblent en mesure de se tailler la part du lion dans cette compétition où plusieurs professionnels de la région parisienne ont décidé de faire le déplacement. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En tête, nous retenons le numéro 13, Pharrell Seven. Auteur d'un hiver incroyable sur la cendrée de Vincennes, le pensionnaire de Jean-Michel Bazire s'annonce difficile à battre ce lundi. En deuxième position, le numéro 14, Flamme Vive. Son entourage a attendu cet engagement de choix pour la présenter et confier à Eric Raffin, c'est une priorité. En troisième choix, retenons le numéro 11, Empereur du CB. C'est un concurrent qui n'a une seule course dans les jambes. Cela dit, même s'il peut manquer de quelque chose pour la victoire, c'est une première chance dans les trois premiers. Ensuite, retrouvons en quatrième position le numéro 4, Franceville. Cette jument de qualité vient de gagner pas plus tard que la semaine dernière, déjà à corde à droite sur l'hippodrome de Cavaillon. Aimant prendre la tête et la corde, elle peut aller loin ce lundi. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Fox Papa Tango. Son entraîneur fait appel à Alexandre Abrivard et malgré l'opposition, il convient de s'en méfier. Au sixième rang, la candidature du numéro 8, Filae, de Soraya sera retenue. Cette jument régulière devra une nouvelle fois faire sa course et un lot est à sa portée. En avant-dernier choix, le numéro 12, Elixir du Rabutin. En regain de forme et associé à Serge Pelletier, c'est une possibilité pour les places à l'issue d'un parcours favorable. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Floréal. Irréprochable ces dernières semaines et pieds nus pour l'occasion, une surprise de sa part à ce niveau est envisageable. En cas de non-partant, le numéro 5, D'Amour de Manie, de retour à l'attelage à l'occasion de ce quintet, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono vous indiquait le tiercé pour un rapport de 260 euros, mais également le quartet qui chiffrait plus de 769 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nous vous contacterons pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.